La première salle est une chambre, et la musique change la chambre dès que vous tournez le bouton, que vous mettez les watts. Quand vous tournez le bouton à nouveau, la métamorphose s'opère en sens inverse, les meubles reprennent leur bois, les murs leur placo, le lit ses draps en boule. Là est la véritable métamorphose, l'authentique sorcellerie, qui échappe au thème. De laquelle vous ne sauriez seul vous arracher, celle qui vous balade en singe bureaucrate ou en rebelle de papier sur les chemins de campagne, les autoroutes, toute une vie, toute votre vie. C'est en quoi ça? C'est quelle la mousse. Ouais. La mousse. Alors, il faut peut-être se passer de celle-là. Oui, alors si on commence. Sachant que si ça, puis ça donne, après quand c'est filmé, ça donne une dimension. Non, je peux faire comme ça. Non, bah, évidemment, il m'a dit qu'ils vont faire des expériences, il va falloir rentrer badgé avec un dosimètre. D'accord. J'ai pas suivi le détail. De la... Bon, bah, profitons. Voilà. Mais, donc vous avez. Du coup, après, donc pour les questions. Alors, petit test son. C'est quoi votre film préféré? Il y en a trop. Il y en a trop. Je ne vais pas y arriver. Le dernier. Le dernier, c'est la zone d'intérêt. Je peux les mettre là. Hein. On les verra. C'est pas forcément très. C'est pas vraiment bien. Est-ce que. Ou alors, il faut qu'elle les saisisse. Ça m'oblige à faire C'est un peu, un peu laborieux. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on regarde à partir de quel moment la chaise est hors champ et on joue là-dessus? Ouais, on va essayer. Vas-y. Donc, je sais pas. Alors, vas-y, rentre. Donc, tu me dis. Allez. Là, elle est un tout petit peu décalée. Là, ça va. Est-ce que si ça, c'est peut-être un peu loin, c'est pas forcément. C'est comme vous le sentez, moi je trouve le geste. On fait un essai? Ça vous va? On essaye, allez, c'est parti. Un jour de jadis, il, ami actuel, balade dans une ville à fontaine, une ville dont le plan épouse un cercle presque parfait, dont part c'est une nickel. Queue de bitume vers le nord. Un tout petit peu plus face. Ouais. Tac. Très bien. Alors, je vais. Ça fait un peu dominant le ciel d'espace. Eh bien, on va pouvoir y aller. On a autant de prises qu'on veut. On a le temps, il n'y a pas de souci. C'est parti, c'est quand vous voulez. Sous le signe de l'anecdote, c'est là que ça se place. À présent. Ou bien sous le signe de la saison, faudra-t-il choisir. Un jour de jadis, il, ami actuel, balade dans une ville à fontaine. Une ville dont le plan épouse un cercle presque parfait dont part une queue de bitume vers le nord ou vers le sud. Je n'ai pas le sens de l'orientation. Pour info, la fin du passage, c'était top. Il y avait beaucoup plus de regards caméra. Si on a quelques-uns, c'est très bien. Oui. On est reparti, quand vous voulez. Émergent trois syllabes qui n'ont aucun sens. Peggy Sue. L'anglais reste cette langue qui n'a aucun sens. L'anglais est le son dans lequel nous vivons, qui ne me dit rien. Alors vous pouvez relire, mais enfin, vous pouvez discuter, mais il faut juste que vous regardiez un peu la même position et que. On reste un peu dans la même configuration. Vous pouvez discuter entre vous si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de relire les mêmes choses. On va discuter, non mais ça. Faut que je fasse semblant de parler? C'est ça, exactement. Ah oui, là, c'est ça. Là, on est dans un méta. C'est quoi? Oui, c'est une chaîne. C'est une chaîne Twitch que t'as, c'est ça? Ouais. Comment c'est-elle, il, qui la guitare et la basse et tout. Comment ça passe par éclat, chair et instrument, tout un. Pas votre association rock préférée du coup? Bah justement.
Il n'y en a pas. Le texte dit qu'il n'y en a pas. Aïe. Comme j'ai pas de... pas fan de, d'une personne. C'est pour ça que j'étais déroutée pendant... Je voyais pas qui prendre dans cette espèce de flot de... Mais il y a une super playlist. Oui, elle est très partielle, mais c'est la même chose avec les écrivains, hein, d'ailleurs. C'est, enfin, avec tout. Ça dépend entièrement des livres, voire de passages dans les livres. Enfin, c'est très localisé. On peut peut-être commencer par l'écriture du livre qui est à la fois... est constitué de fragments autobiographiques et en même temps il y a énormément de descriptions hyper précises sur les dispositifs techniques, il y a beaucoup d'informations sur les micros, sur les haut-parleurs, sur les qualités sonores. Peut-être parler un peu de l'écriture du livre. Je ne voyais pas du tout comment commencer. Je ne voyais pas... comment commencer, comment écrire un texte sur une seule personne, une seule musique, une seule chanson. Tout était trop profus dans mon souvenir. Parce que tout ça, c'est de l'archéologie. J'ai cessé presque totalement d'écouter de la musique, toutes les musiques, un peu avant de commencer à écrire. Donc quand je devais avoir, je ne sais pas, 27 ans. Et quand je me suis enfin lancée, sachant que l'intervention de Laurent a été importante, enfin, je n'aurais pas commencé sans un binôme, sans que ce soit un binôme, je me suis dit qu'il va falloir faire une reconstitution hystérique d'une période très lointaine. Sous le signe de l'anecdote, c'est là que ça se place à présent, ou bien sous le signe de la saison, faudra-t-il choisir. Un jour de jadis, il, ami actuel, balade dans une ville à Fontaine, une ville dont le plan épouse un cercle presque parfait dont part une queue de bitume vers le nord ou vers le sud, et je n'ai pas le sens de l'orientation, balade quelques gens d'importance et d'autres non, et non à l'écoute. Un camion passe un camion comme un coup de coude.